Bonjour tout le monde, c'est Absolu Cario. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de la Pokébox Amphinobi. Bon, j'ai les deux autres, mais aujourd'hui je vais ouvrir celle-là parce que c'est mon starter préféré de XY. Amphinobi, je trouve qu'il est vraiment trop classe. Avant d'ouvrir cette box, je vais faire un petit aparté pour vous présenter quelques trucs que j'ai reçus. Tout d'abord, des cartes que j'ai gagnées en fait, un concours. Donc le concours de la Team Skeratros il y a déjà un petit moment, au moment de l'ouverture je crois de Ruby Saphir. Et donc j'avais pas encore présenté les cartes qu'ils m'avaient envoyées, donc je vais vous les montrer maintenant. Donc c'était un petit lot que j'ai gagné grâce à leur concours à chaque vidéo. Alors voilà toutes les cartes, donc elles sont superbes. Que des cartes de Ruby Saphir, petit lot de cartes. Franchement, ça fait très plaisir parce que bon, ces cartes-là, déjà elles sont neuves, elles sont en anglais, mais ça, peu importe. Elles sont vraiment belles, j'adore et je les remercie vraiment beaucoup parce que bah, ça part dans ma collection du coup. Parce que pour trouver celle-là en français, c'est même pas la peine. Enfin, si, on les trouve en brocante, mais en général, elles sont en mauvais état, donc autant les avoir en neuve, même en anglais, hein, c'est pas grave. Puis là, bah, c'est cadeau, donc voilà, ça fait plaisir vraiment. Voilà, elles sont vraiment magnifiques et de rares. C'est vraiment très très sympa à eux de faire ces petits concours, je trouve ça vraiment génial. Et ça permet à tout le monde chaque semaine de tenter leur chance. Et puis on voit qu'il y a quand même beaucoup de gagnants à chaque fois, donc c'est vraiment super. Et avec ça, ils m'ont envoyé donc des boosters vides, donc de Phantomolon, donc les 4 illustrations. Une illustration, donc Alex Sprint. Deux Ruby Saphir justement et deux Dex Espèce Delta, donc le Dratak et le Dracolos qui sont vraiment super quoi. Enfin, j'ai une petite préférence pour le Dracolos qui est vraiment magnifique. Donc ça, merci à vous, franchement vous êtes super. Et j'avais fait un petit échange avec eux aussi, voilà, donc ils m'avaient envoyé avec cet échange quelques holos, donc j'avais rien demandé, ils m'ont envoyé ça en cadeau, ça fait vraiment plaisir. Cocotine de XY en holo. Le Pingoléon de. Celui-là, je sais plus. Explorateur obscur. Je crois. Clamiral de noir et blanc, de base. Le Lucario promo. Voilà, il a pensé à moi, là. Le prof Chen. Un petit Lucario promo qui est magnifique. Et puis le Genesect promo. Je ne sais plus d'où il vient celui-là. Mais il est vraiment très beau aussi. Franchement, merci, merci à vous. C'est vraiment super sympa. Voilà. Ensuite, j'avais fait aussi un échange avec Teddy, donc Tous Fous d'époque. En fait, il avait besoin de pochettes, de boîtiers pour ranger ses jeux de Game Boy. Je lui ai dit, je veux pas que tu me les... Je voulais pas lui vendre, donc je lui ai dit envoie-moi n'importe quelle carte, celle que tu veux, et puis je te les envoie, pas de soucis. Donc voilà ce qu'il m'a envoyé. Donc déjà le booster vide Aube Majestueuse, que je n'avais pas, donc c'est cool. Alors, qu'est-ce qu'il m'a envoyé? Voilà, il a pensé à moi aussi, un petit Lucario, ça fait vraiment plaisir. Et au massacre. Le Pingoléon. Franchement, cette carte-là, je la trouve très belle. Ensuite, un Pharamp de Dragon Exalté, holographique, ainsi que le Tranchodon du Coffre des Dragons. Alors le Palkia, donc je sais plus, c'est Diamant et Perle, mais je ne sais plus quelle extension. Aube Majestueuse peut-être. Caraclé, je crois. Judocrac, Caraclé. Je dis n'importe quoi, je sais plus. Deux noirs et blancs. Un Noctu noir. Pareil, diamant et perle, quelque chose. J'ai perdu, je ne sais plus, les symboles. Ça c'est pareil, c'est sidéré là, ou un truc comme ça. Ouais. Brutapod. Garde-voir. Pilquatox. Voilà. C'est vraiment beau. Donc merci à toi Teddy, ça fait vraiment plaisir.
Et bah, du coup, je t'ai envoyé tes protections, il n'y a pas de souci. Et enfin, Zone Poké qui m'avait demandé mon adresse pour m'envoyer quelque chose. Donc, je lui ai dit, ne m'envoie pas de carte. À la limite, un dessin, ça me suffit largement. Parce que bon, les cartes, j'ai pas forcément besoin. Parce que je préfère que vous les gardiez pour votre collection. Donc, un petit mot. Donc, Hello Apso. Toi qui crois que tu ne mérites rien, c'est faux. Bon, même si c'est pas grand chose, j'ai fait du mieux que je peux pour te faire plaisir. J'adore tes ouvertures avec toujours une aussi bonne qualité. Avec le display Appel des légendes, j'ai trop kiffé, même si c'est pas fini. Bref, vive les patates, tchuss. Donc Zone Poké, Anthony. Donc merci à toi, Anthony, de m'avoir envoyé cette petite lettre. Et vive les patates, je suis d'accord avec toi. Alors, ce que tu m'as envoyé, tout d'abord, un magnifique dessin d'Absol. Franchement, merci à toi, hein, tu te débrouilles vraiment bien en dessin. Celui-là, je vais le garder précieusement. Il est vraiment cool, je le trouve trop mignon. Et avec ça, tu m'as envoyé des cartes, donc bon, bah, je m'y attendais pas du tout. Hein. Donc tout d'abord, le Mewtwo du set de base, ça fait plaisir. Ça me fait vraiment plaisir parce que cette carte-là, je l'avais quand j'étais petit et je l'ai perdue. Je sais pas ce que j'en ai fait, je l'ai perdue. Donc ça fait plaisir de la retrouver. Elle est vraiment superbe. Un Elexprint de platine, en holographique. Celle-là aussi, elle est vraiment belle. L'effet de brillance est super. Et franchement, merci à toi. Et enfin, derrière, le Ronflex de Jungle, en holographique. Donc cette carte-là, je ne l'ai jamais eue, donc ça fait un grand, grand merci à toi. Franchement, t'aurais pas dû. Hein. Juste un petit dessin, ça m'aurait suffi largement. Donc voilà pour ton petit cadeau. Donc si tu veux, t'hésite pas, tu m'envoies ton adresse, et puis je t'enverrai un petit courrier aussi. Y a pas de souci pour te remercier. Voilà pour les petites réceptions que j'ai eues ces temps-ci. Et on va attaquer quand même, au bout de 7 minutes, le gros du sujet. Hein, donc la Pokébox Amphinobi, que je vous la présente quand même vite fait. Même si maintenant vous la connaissez un peu tous. Hein. Donc, sur les côtés, on a Amphinobi, plein d'épiques, Gouplin. Donc les trois box qui vont ensemble. Et là, on va s'attaquer à Amphinobi. Donc c'est parti. D'ouvrir ça correctement. Hop. Avec le petit papier, je sais qu'il y a des personnes qui en ont deux, moi j'en ai qu'un. Voilà. Alors la box. Franchement, elle est vraiment superbe. Avec le shuriken, là. Shuriken d'eau. Donc on va s'ouvrir ça tout de suite. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans comme booster, parce qu'il y a vraiment, il y a eu vraiment de tout sur internet, donc on va bien voir. Avec Amphinobi X, franchement, elle est vraiment superbe cette carte. Je ne sais pas trop comment le laisser enlever, voilà, comme ça. Ouais, franchement, elle est superbe. Elle a vraiment des très belles couleurs. Je pense que c'est une de mes préférées des trois box. Je verrai quand j'ouvrirai les deux autres, mais franchement, celle-là, elle est vraiment belle. Hop, sous pochette. Voilà. Alors, petit camp de ligne que je me garde. Dedans, on a donc Suspense. Et on a 4 points furieux. Ok, 4 points furieux. Alors, bon bah les 4 illustrations, ça c'est cool. Donc je vais faire dans mon ordre de préférence. Hein. Donc Rexilus, Jeta Libré, Mega Scarino et Mega Lucario. Voilà. Et c'est parti. Avec le Rexilus. Décidément, j'arrive jamais à ouvrir ces boosters. Hop. 2, 3, 1, 2. Et on commence avec un Kung Fuin. Magmar. Escargoum. Chétiflore.
Gringolem, collecte d'outils, fossile nageoire, Raichu. Ah, ça c'est cool. Holo Reverse, Maconure en Holo Reverse. Donc j'ai pas l'holo normal. Au moins je l'ai en reverse, ça c'est une bonne pioche. De rare en un booster, et en rare, le Draskor, ok. Draskor qui tombe souvent. Déjà celle-là, c'est cool. On continue avec le Brutalibré. On commence avec Paraît Cool. Il paraît très cool, comme dirait mon ami. Sonistrel. Soporifique. Attentif. Balignon. Vibranymph. Le Peignoir Scintillant. Tyranidur. Baguiguane en reverse et donc Tarpeau en rare. Ok. Ok, ma Tarpeau, moi j'aime bien. J'aime beaucoup cette carte. On continue avec le Méga Scarino. J'espère qu'il va nous porter chance. Purée, j'arrive pas. Je n'y arrive pas. C'est pas possible. Tac. On commence avec le mignon poussifeu. Pont d'espiègle. Machoc. Makuhita. Rapion. Bagaïde. Capoeira. Ceinture force. Dragmara qui est une rare reverse. Ça, ça fait plaisir. Et en rare. Et les câbles. Ok. Moi, j'aime beaucoup les cartes de Planeta. Je les trouve vraiment très travaillées, elles sont superbes, avec la tête du monoflémite là. Ok. On attaque déjà le dernier booster, qui est Méga Lucario. J'espère qu'il va me porter chance. Allez. Un petit Lucario Full Art. Je rêve, je rêve. Hop. 3, 1, 2. C'est parti avec Electek, Scrutella, Makuhita, Exelang, le petit Tar, l'énergie renforcée, ok, le centre d'entraînement, Mesmerella, le poussifeu en reverse, ok, c'est une commune reverse, et en rare, Déméteros holographique. Ça c'est cool aussi. Je l'ai déjà, donc elle sera à l'échange. Mais j'aime bien cette carte, franchement elle est super belle. C'est encore plein état, je crois. Oui. Voilà. J'aime beaucoup. Bon, pas d'ultra pour cette ouverture, mais c'est pas grave, j'ai une petite holographique. Une petite holographique ainsi que une holo reverse. Hein. Donc on va pas se plaindre. Et la carte de cette ouverture, ce sera surtout dans Finobi. Promo qui est juste sublime. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à commenter. Et on se retrouve de toute façon très bientôt pour les autres Pokébox. Allez, salut !